Bien, bonjour à tous et bienvenue à l'ensemble de nos premiers participants pour explorer ensemble, en partenariat avec le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel, explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation. C'est un sujet prospectif que nous allons explorer ensemble dans un format de 40 à 45 minutes. Merci à tous pour votre attention. Les planches, le support de présentation de cette conférence sera également disponible pour l'ensemble des participants et cette visioconférence sera également enregistrée et restituée en vidéo sur YouTube si vous souhaitez, par la suite, vous replonger sur ce sujet. Alors, je vous propose d'explorer ensemble le sujet qui nous réunit aujourd'hui à travers le prisme d'un jumelage. Vous rappelez d'abord l'ouverture du territoire, l'ouverture de la baie du Mont-Saint-Michel dans des échanges et des réseaux européens, avec ici, sur cette slide, le nom de plusieurs villes qui développent des relations de jumelage, des coopérations avec les îles anglo-normandes. On pense bien entendu à Avranches, qui est jumelée avec la ville de Saint-Hélier, à Jersey, également Granville, qui a une relation avec Saint-Brelade, mais aussi la commune de Cancale avec la paroisse Saint-Clément. Ce sont beaucoup de relations qui sont aussi stimulées par des approches festivalières, carnavals et beaucoup de manifestations culturelles et collectives. Alors, le territoire a été, sur ce chemin, une plateforme d'innovation à travers également un rôle historique qui a existé dans les relations transmanche, puisque la Manche a été aussi, le département a été un carrefour qui a ouvert également une ouverture intéressante avec la Normandie insulaire. Et ce qui a nourri énormément d'innovation, je voudrais rappeler que la haute technologie navale a également fait fructifier de nombreuses innovations dans le domaine aéronautique. Et les temps pionniers de l'aviation sont justement nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et c'est véritablement ce croisement qui est extrêmement intéressant pour croiser des filières du territoire. Ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel, en étant au carrefour de deux régions, avec la Normandie et les portes de la Bretagne, mais également dans une relation triangulaire avec les îles anglo-normandes. Et nous allons découvrir ensemble les opportunités qui se présentent. Et c'est ce bouillonnement entre les acteurs qui peut être extrêmement positif. Alors, commençons ce sujet sur les mobilités du futur par un petit détour historique. Je vous indiquais que dans la Manche, de la baie du Mont-Saint-Michel à Cherbourg, le territoire a été un véritable laboratoire du commerce, des échanges fluvio-maritimes et un véritable carrefour également d'armateurs, de chantiers navals qui se sont intéressés très vite à la reconversion de leurs connaissances pour partir ensemble à la conquête du ciel. Vous avez ici sur cette slide la photo d'une figure, d'un précurseur qui s'appelle Félix du Temple, qui en 1857, avec son frère Louis, va réussir à faire décoller un premier avion motorisé à échelle réduite. À l'époque, ces deux frères sont passionnés d'architecture navale, ils sont passionnés d'aviation et ils vont schématiser leurs inventions et développer ensemble une culture du brevet. Vous avez sur cette slide, juste à droite, un premier modèle qui vous donne
une vision de l'extraordinaire créativité de ces inventeurs. Pour propulser des hélices, ces deux inventeurs, ces deux innovateurs vont notamment beaucoup s'inspirer dans un premier temps d'un mouvement d'horlogerie et ensuite s'appuyer sur leurs connaissances dans le domaine des moteurs à vapeur. Alors, j'ai voulu préparer cette conférence et m'intéresser justement à l'innovation et à ce temps défricheur dans la baie du Mont-Saint-Michel vis-à-vis d'archives familiales que j'ai retrouvées puisque mon arrière-grand-père a été bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel. Vous avez ici en photo l'emplacement historique de cette bijouterie-horlogerie qui a développé de manière très précoce une véritable culture de l'innovation. Et pour résumer cet état d'esprit, vous pouvez retrouver la formule que j'ai mise en bas sur cette slide et qui se résume à travers la phrase suivante: l'horlogerie a besoin d'OPA. Oser, préparer et anticiper le monde de demain. Alors, je me permets de vous parler de cette bijouterie-horlogerie parce que vous pouvez apercevoir sur la vitrine, mais également sur le fronton, le nom d'une marque. C'est la marque Zénith, qui va beaucoup vous faire parler d'elle, à la fois parce qu'elle s'inscrit dans des grandes expositions universelles, et elle va aussi accompagner des aviateurs. Et je pense en particulier à Louis Blériot, qui a été extrêmement familier de la marque Zénith, qui était un véritable garde-temps, qui est resté extrêmement précis dans ses grandes aventures malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et Louis Blériot écrira une lettre que vous avez ici à l'écran dans laquelle il exprime sa satisfaction pour le fonctionnement des montres Zénith qui faisaient à l'époque fureur dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, d'autres personnalités ont aussi porté des montres Zénith. Je voudrais vous parler notamment de Gandhi, qui avait une montre en poche en argent, l'une de ses rares possessions matérielles, et qui accompagnait son quotidien en signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre Zénith aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde. Et le voleur, rempli de culpabilité, lui aurait rendu 6 mois plus tard. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Alors, nous allons explorer ensemble comment des filières du territoire ont aussi apporté des contributions au temps pionnier de l'aviation et comment cela peut effectivement inspirer demain. Je vous parlais de l'intérêt de Félix Dutemple pour le mouvement d'horlogerie. Il a aussi beaucoup observé le biomimétisme et en particulier l'étude du vol des oiseaux pour développer ses premières inventions en 1857. Alors, pour marcher ensemble sur les traces de l'aviation transmanche, je voudrais rappeler que ces temps pionniers de l'aviation sont nés initialement dans des hangars à bateaux, comme je vous l'indiquais en introduction, avec les premiers hydravions en bois et en tissu, et la haute technologie navale a véritablement nourri dans la Manche des innovations aéronautiques. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on l'a peut-être un peu oublié, mais Ardevon, le prieuré d'Ardevon, était aussi un avant-port. Aujourd'hui, avec les polders, on a l'impression que la baie, finalement, que des terres ont aussi beaucoup grignoté l'espace. Mais la baie du Mont-Saint-Michel était aussi, avec le jeu des marées, extrêmement ouverte sur des échanges maritimes, des échanges logistiques, avec des cargaisons qui ont symbolisé une relation entre terre et mer. Bien entendu, d'autres communes du territoire ont joué aussi un rôle, je pense à Granville, mais aussi Cancale. Alors, très rapidement,
des cités corsaires, des cités d'armateurs vont être des laboratoires avec des figures et des personnalités qui seront un peu des pionniers, parce que très vite, on prend conscience de l'importance de recycler des navires, notamment pendant la guerre de course, avec des périodes d'intermittence où finalement, des dynamiques d'économie circulaire se mettent en place et on réalise qu'il est possible de reconvertir des navires et de les pousser vers d'autres activités. Et les relations avec les îles anglo-normandes seront extrêmement importantes pour justement stimuler l'inventivité, stimuler la créativité. Alors, il existe un aéroport à Jersey que vous avez ici en photo. Vous avez également une vue aérienne de Saint-Hélier avec Fort Régent que vous voyez en photo. Il a existé dans les îles anglo-normandes un intérêt pour l'hydrogène. Il existe également des groupes de discussion sur les réseaux sociaux qui se sont constitués et que vous pouvez retrouver facilement. Et nous allons débattre ensemble des opportunités qu'il est possible d'imaginer en termes de relations transmanches. Je voudrais aussi vous rappeler que le terme hydrogène vient du grec à travers le grec ancien hydro, qui veut dire eau, et le suffixe gène qui forme, qui engendre, qui génère. Et donc le sujet d'aujourd'hui est extrêmement intéressant parce que nous allons étudier comment finalement le territoire a aussi réussi à s'adapter, a aussi réussi à innover. D'abord, il y a eu un cabotage extrêmement riche, extrêmement important, transmanche, avec les îles anglo-normandes, historique. Peut-être que certains d'entre vous ont en souvenir notamment la grande histoire des charbonniers de Jersey. C'est Jules Verne qui a aussi beaucoup mis en valeur cette grande odyssée avec une œuvre qui s'appelle « Les Indes Noires ». Et puis, vous avez des photos aussi un peu plus récentes de Fort Régent, qui a été à une certaine époque un grand parc d'attractions avec des téléphériques, avec des véhicules nomades en vol libre, qui était une véritable attraction, qui attirait aussi énormément de visiteurs depuis la Normandie, mais aussi depuis la Bretagne. Alors, les charbonniers de Jersey ont été effectivement un commerce transmanche à la pointe du progrès. Je voudrais rappeler d'autres échanges qui ont pu exister et qui remonte peut-être même à une origine antique, le commerce de l'étain, du cuivre. Il y a eu de nombreux échanges maritimes, et au début du XXe siècle, on a commencé à s'intéresser aux énergies du futur, et plus particulièrement à la féélectricité, dans le cadre de grandes expositions nationales, où l'intérêt était aussi de mettre en valeur l'importance que l'électricité pouvait apporter pour des travaux à la campagne. Alors ici, vous voyez effectivement Fort Régent sur l'île de Jersey. Aujourd'hui, l'hydrogène est une ambition fortement stimulée par les institutions européennes. Il existe un Green Deal qui est encouragé par la Commission européenne, et qui a construit un agenda extrêmement ambitieux que vous avez décliné ici jusqu'en 2030. Alors, l'hydrogène se décline aussi à un niveau régional. Vous avez ici sur cette slide la dynamique, l'écosystème normand de l'hydrogène tel qu'il est décliné dans les différents territoires et départements. Vous voyez que sur l'axe Seine, dans la vallée de la Seine, il y a une dynamique industrielle et de recherche extrêmement forte, poussée par des acteurs, des porteurs de projets innovants. Et puis dans la Manche, un pôle important à Cherbourg. Mais si vous regardez bien la carte, il y a une petite bulle qui fait référence aussi à un pôle extrêmement intéressant qui est en train de se mettre en place
du côté de l'archipel de Chauzet en matière d'autonomie énergétique. Et c'est peut-être les îles qui peuvent justement être des laboratoires d'innovation et aussi être des véritables laboratoires de résilience. Nous allons continuer cette odyssée. Je voudrais aussi vous rappeler que finalement, la baie du Mont-Saint-Michel a un passé historique exceptionnel en matière de valorisation de nouvelles ressources liées à la mer, de nouvelles énergies du futur, mais aussi de matériaux biosourcés, puisqu'il y avait des filières du territoire qui ont pendant longtemps exploité des minéraux marins, qui ont également séché des algues et qui ont développé des sagas industrielles extrêmement intéressantes. Je pense en particulier aux industries probiomères dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi d'autres entreprises familiales comme Calci Aliments. Alors, une innovation qui aujourd'hui est en train de faire parler d'elle, c'est le projet Greenping, qui vise aujourd'hui à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert. On considère que 20 litres d'urine de porc peuvent permettre la production d'un kilo d'hydrogène vert. Ce kilo d'hydrogène pourrait permettre de parcourir 100 km en voiture. Alors, un travail d'ensemblier a été mis en œuvre autour de ce projet qui est en train de voir le jour, alimenté par des éoliennes. L'urine animale est recueillie à la source, puis filtrée et ressort à l'état de carburant vert. Ce qui montre que notre territoire a énormément d'idées pour l'avenir et beaucoup de créativité et d'inventivité à développer avec tous les acteurs. Alors, est-ce que ce chemin peut justement nous inspirer demain à développer un modèle vertueux d'éco-aviation, à cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses sur la route des biocarburants et peut-être être des véritables défricheurs sur l'hydrogène comme l'ont été les pionniers de l'aviation dans la Manche. Je crois que le débat aussi, là où il est intéressant de croiser les filières et les porteurs de projets innovants dans ce domaine, c'est que l'hydrogène reste aujourd'hui quelque chose de très cher. Et si on souhaite véritablement l'inscrire et le rendre accessible au plus grand nombre, il va falloir cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses. Et c'est la réflexion que nous vous proposons d'avoir aujourd'hui. Est-ce que la baie du Mont-Saint-Michel pourrait accueillir à l'avenir des taxis volants? Est-ce que la baie du Mont-Saint-Michel pourrait, pourquoi pas, expérimenter un éco-airport régional européen? Dans une actualité qui est intéressante aujourd'hui, parce que des collectivités, si vous avez suivi un peu l'actualité départementale, le conseil départemental de la Manche a racheté à un euro symbolique l'aérodrome de Granville. Il y a un projet qui va vous être présenté aujourd'hui lors de cette présentation et qui pourrait peut-être aussi stimuler le parcours de la Vélocénie, qui est un parcours à vélo qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Et nous allons entendre aujourd'hui un porteur de projet qui vient des États-Unis et qui a mis en place un projet de vélo volant qu'il va vous faire découvrir. Alors, trois questions vont alimenter la présentation, le débat d'aujourd'hui. D'abord, quelles relations croisées ont pu exister et pourraient se construire entre l'hydrogène et l'éco-aviation? Quelles sont les dynamiques collaboratives qui pourraient émerger? Je vous rappelle que les temps pionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux, ce qui montre en fait le croisement extrêmement intéressant entre la haute technologie navale et la haute technologie aéronautique. Et quels sont les enseignements qu'il est possible d'en tirer pour demain, pour la prospective du territoire? Je vous montre cette vieille photo d'archives qui est assez exceptionnelle, qui vous montre un premier prototype qui avait été mis en place par Léon Levavasseur.
Et ce qui est assez exceptionnel, si vous regardez cette photo, c'est qu'elle met de façon extrêmement intéressante en scène, finalement, on le voit assez bien dans ce modèle, la forme d'un bateau, d'un canot de course, qui va être développé par les pionniers de l'aviation dans la Manche. Alors, je vous ai parlé en introduction de Félix Dutemple, qui a effectivement fait de Cherbourg un véritable laboratoire de l'aviation. Il y a aussi d'autres personnalités dans la Manche, d'autres figures remarquables. Je pense en particulier à Félix Amiot, mais aussi, comme je vous l'indiquais, Léon Levavasseur. Alors ici, vous avez le modèle qui avait été mis en place par Félix Dutemple, qui avait été un véritable précurseur. Ce qui est intéressant aujourd'hui, à un niveau européen, je me permets de mettre en valeur également cet exemple parce que la ville d'Avranches a aussi un jumelage et un partenariat italien. Et vous avez en Italie un projet de vertiport qui est notamment développé avec des Chinois. Je vous ai mis les références de cette agence de design italienne qui travaille sur ce projet et le partenariat qu'elle a mis en place avec Yiwang, qui est en train de concevoir un taxi autonome volant et qui a d'ailleurs signé un accord avec la ville de Lyon en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en tous les cas des inspirations qui sont peut-être assez intéressantes et qui pourraient, pourquoi pas, intéresser les dynamiques de jumelage que les communes de la Manche disposent avec d'autres territoires européens. Le vertiport qui est actuellement à l'étude, en projet en Italie, vous en avez une photo ici, et le designer italien et architecte qui en est à l'initiative, voyez, a construit, si vous voulez, comme vous pouvez le voir sur l'image, la forme d'une tour. Et en fait, elle épouse, comme vous pouvez le remarquer dans la représentation, elle épouse la forme d'un baobab. Donc, vous voyez qu'on trouve en plus des inspirations des continents, de l'Afrique, qui montrent combien, finalement, l'étant pionnier de l'aviation et peut-être l'éco-aviation demain, continuera à relier les hommes, à relier le monde et à relier les continents. Alors, nous avons aussi, à l'échelle du Grand Ouest, des personnalités remarquables qui sont passées dans nos régions, qui ont laissé des traces, qui ont appris également à piloter. Je vous ai parlé de ces trois personnalités dans la Manche, Félix Dutemple, Félix Amiot et également Léon Levavasseur. Mais je voudrais aussi vous signaler d'autres personnalités qui sont peut-être un peu tombées dans l'oubli alors que des traces existent dans les territoires. D'abord, Roland Garros, qui a passé son brevet de pilote le 19 juillet 1910 dans le Maine-et-Loire, à l'aérodrome de Cholet. Ensuite, il y a dans la Sarthe Antoine de Saint-Exupéry, qui a passé son enfance au Mans, dans un lycée du Mans, lycée Notre-Dame. Et donc, c'est aussi intéressant de signaler l'enfance mancelle d'Antoine de Saint-Exupéry. Je pense aussi au comte de Lambert, Charles de Lambert, qui fut le premier à survoler la Tour Eiffel en avion avec, dans le cadre d'un partenariat avec les frères Wright. Et puis, d'autres défis techniques ont été étroitement corrélés à ces industries, à ces filières autour de l'aviation. C'est notamment Marcel Brault, le fondateur de Manitou. Alors, nous avons des exemples encore plus récents dans la gouvernance de grandes entreprises aéronautiques. D'abord, Airbus. Vous rappelez que Guillaume Faury, l'actuel PDG du groupe, est né à Cherbourg le 22 février 1968. Et son père, François, était un industriel polytechnicien qui a dirigé les ateliers et chantiers du Havre. Voilà ce petit clin d'œil normand.
Alors, je vous ai parlé de Roland-Garros du côté de Cholet. Il y a eu également des événements extrêmement intéressants qui ont développé des découvertes totalement inattendues. Et je voudrais à ce titre mentionner un événement remarquable qui s'appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelait Laviorex et qui a recruté de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile dans le Choletais, dans le département du Maine-et-Loire. Et lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'il est possible de développer de nouveaux usages et notamment des ballons à l'hélium. Alors, ce sera une micro-révolution dans le domaine de la filature, car on réalise qu'il est possible de transporter du gaz. Et c'est peut-être là qu'il est possible également de faire germer d'autres innovations. Alors, aujourd'hui, vous avez une start-up espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. En nous rapprochant maintenant de notre territoire, si effectivement l'hydrogène fait partie des alternatives pour encourager l'éco-aviation et une offre de transport écologique, il existait de nombreux projets développés dans le bassin industriel de Cherbourg, mais aussi à Saint-Nazaire, et beaucoup de brevets ont été déposés dans les années 60, et l'un des groupes précurseurs, c'est notamment Air Liquide, qui a breveté énormément de procédés avant de les industrialiser. Cette entreprise faisait aussi tourner dans les années 60 des véhicules et des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, il y a aussi d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation des transports de méthane en chargeant des méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2, pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar, qui est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type microalgues. Et puis, enfin, une relation avec l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers, qui est l'hélium, et qui intéresse aussi des acteurs gaziers. Alors aujourd'hui, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés, mais il semblerait que des bassins industriels dans la Manche, sur l'arc atlantique, aient aussi joué un rôle pionnier dans de nombreuses recherches, que ce soit sur l'hydrogène, l'azote, le propane et le gaz carbonique. Alors tout ce voyage dans l'espace et dans le temps nous permet de nous rapprocher de la thématique d'aujourd'hui et surtout d'interroger si l'éco-aviation pourrait être un modèle nouveau de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole de la Manche, à savoir l'hydrogène. D'autant que beaucoup d'entreprises émergent avec des solutions et des technologies qui évoluent en permanence. Il y a bien sûr un projet phare qui est développé par Airbus avec Volkswagen et un designer italien. Ce projet s'appelle Pop-Up. C'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bouguenay, en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes. Il y a une centaine de projets similaires dans le monde et comme Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent pas rater le coche. Alors, le projet d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017 à la suite du Salon de l'automobile en 2017, mais il y a aussi la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques. Et puis également la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, je vous ai parlé de ce projet chinois qui s'appelle Yiwang 184. Il y a aussi d'autres exemples qui fleurissent à Dubaï et dans d'autres capitales du Golfe Persique. Alors, l'hydrogène apporte justement un élément intéressant puisque le meilleur moyen de sortir l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, c'est d'innover et c'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter. Alors, des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation de l'hydrogène décarboné pour la propulsion de ses avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique
pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation. Je vous propose d'en débattre ensemble et de laisser la parole à un porteur de projet qui va vous présenter son innovation. Ali, the floor is yours. Thank you so much, Kevin, and thank you so much, everybody, for joining us. My name is Ali. I'm co-founder of Fly UPAV, the innovative hybrid flying car that we are working on. We are based in New York City, and hopefully we can expand our activities and company to Europe by getting some good, getting support of communities in France or other European countries. So as far as I know, there are a couple of startups working on flying cars right now, and some of them are based in United States, and a few of them are around the world. So basically, they are targeting a product that is comes with its own problems. So the problems with current companies that are working and the products is I categorize in four different things. First of all, most of those products are VTOL or vertical takeoff and landing, so they need helipads or improvement to the roof of buildings for takeoff and landing that it takes years to renovate that infrastructure. So Fly UPAV is a compact dual mode drover. It can be driven and it can be flown manually or autonomously like a conventional electric car, and it's you don't need to have a pilot license because it's like the car. You can drive it and you can switch it to an autonomous mode and fly over a pass. And can you go to next slide? Yeah, Kevin, next. Yeah. So these are all competitors are playing in this industry right now. As I told you, they lack some specific technical issues that we end up in designing a new platform. So most of them are even they have wings in their body, so they need a road for takeoff and landing, or they need to accelerate on a road for takeoff. So, and also some of them are not autonomous. So those problems end up in designing a new platform that is Fly UPAV right now. Can you go to next slide? Yeah, so there are a couple of missions that we are planning to target. So for example, it can be used as a multi-road air taxi or as a patrol car for first responders or as a multi-road firefighters. And also it can be used as an ambulance. Its target payload is an adult human like 250 pounds or 125 kilogram, and the endurance is 60 minutes. Or 2 hours of continuous driving. And the target range is 50 to 60 mile for continuous flight, or 100 to 120 miles continuous driving. Thank you so much. Merci à Ali Salem des États-Unis qui s'est exprimé en anglais pour présenter son projet, que vous pouvez retrouver sur Internet, FlyUP AV, et qui est certainement une source de créativité extrêmement intéressante pour la baie du Mont-Saint-Michel, pour explorer ensemble de nouvelles relations transmanches avec les îles anglo-normandes. Alors nous allons, grâce à son innovation, ouvrir ensemble le débat et interroger effectivement la place que pourraient jouer aujourd'hui des taxis volants. Alors, libéraliser les taxis, s'agit-il d'une idée farfelue, s'agit-il d'une idée utopiste? C'est une idée, à vrai dire, qui est assez ancienne et qui remonte à des travaux qui ont été engagés dans le cadre de la commission Attali. Vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet ce rapport qui avait été produit en 2007
et qui s'intitulait « 300 décisions pour changer la France ». Et parmi les propositions du rapport Attali, il y avait notamment cette volonté de libéraliser l'offre de transport à la demande. Alors, à l'époque, Jacques Attali n'avait pas été de main forte puisqu'il avait jeté un pavé dans la mare en proposant de supprimer le numerus clausus des taxis, ce qui avait suscité beaucoup d'opposition. Alors, cette expression de taxi volant, en fait, a été choisie parce que c'est peut-être ce périmètre, ce territoire qui pourrait ouvrir une brèche. Comme je vous l'indiquais, libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance. C'est malgré tout une activité réglementée qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, une autorisation de stationnement sur la voie publique, et nécessite également la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Alors, il y a eu en 2007 cette tentative de bouleverser un peu le champ d'exercice de cette activité, mais malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, le rapport Attali avait suscité beaucoup d'opposition et beaucoup de mesures n'ont pas été jusqu'au bout. Mais toujours est-il que c'est un cadre de réflexion qui peut faire germer l'innovation et sans doute promouvoir une approche assez innovante de taxi volant, puisque le rapport Attali avait aussi ouvert un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport à la demande. Alors, de façon assez infructueuse, il y a aussi la directive service qui envisageait des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, les orientations n'étaient pas assez, étaient assez ambitieuses, mais la transposition n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Il existe toutefois aujourd'hui des appels à idées qui permettent peut-être de redonner du vent dans les voiles à des approches de taxi volant. Ce sont des appels à idées qui visent aussi à transformer des friches industrielles, à réenchanter des espaces de stationnement. Et peut-être que ce sont ces programmes de réappropriation de l'espace public qui pourraient jouer un rôle. Se développe aussi dans les aéroports un modèle qui s'appelle le Media for Equity, qui consiste à offrir à des porteurs de projets innovants, à des entrepreneurs, à des startups, des espaces publicitaires pour valoriser des projets qui sont des fricheurs. Et peut-être que ce Media for Equity pourrait offrir une caisse de résonance, un éclairage médiatique à des projets novateurs et offrir un plaidoyer à de nouveaux acteurs qui voudraient engager des pistes dans ce domaine-là. Il y a, je voudrais aussi vous recommander la lecture des travaux d'un passionné de prospective, un ancien ministre, Alain Madelin, qui a beaucoup regardé comment finalement il est possible aussi de lancer des investissements extrêmement ambitieux dans les énergies du futur. Et vous pouvez retrouver son ouvrage « Unis pour agir » qui vous apportera des idées, peut-être du vent dans les voiles, ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour faire de notre territoire une Babylone de l'hydrogène, réfléchir à de nouvelles alternatives de transport à la demande avec l'éco-aviation et trouver certainement de nouvelles coalitions créatives d'acteurs, d'investisseurs, d'entrepreneurs qui voudraient s'inspirer sur ce sujet. Je vous rappelle le site web que vous pouvez retrouver si vous souhaitez en découvrir davantage sur le projet qui vous a été présenté par Ali Salem qui s'exprimait en anglais. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Place aux échanges. Vous pouvez réagir, faire part de vos questions et utiliser la bulle de discussion mise à votre disposition si vous souhaitez prendre la parole. Merci à tous. N'hésitez pas à utiliser la capsule de discussion si vous souhaitez faire part de vos expériences, si lors de vos différents voyages, vos différents déplacements, vous avez aussi vu des expériences innovantes. D'autres débats seront organisés avec le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel. Si des personnes veulent réagir, vous êtes les bienvenus.